Bonjour YouTube, du coup on se retrouve pour le chapitre 162 de la... de Tower of God... de Chainsaw Man, pardon. Avec Fujimoto qui nous enchaîne les chapitres, là, sans faire de pause, ça fait plaisir. Donc, let's go. Le chapitre qui s'appelle... Attends, ah oui, il faut que je passe en mode lecture. Hop, chapitre qui s'appelle Terrifiant. Hop là. C'est toujours plus poussé que les débats qu'il y a eu récemment sur le Twitter. Mais c'est vrai. Ouais, j'ai fait un petit débat sur les webtoons et tout à l'heure sur Twitter. J'ai oublié d'en parler dans la partie précédente où on discutait un petit peu, mais en vrai. Yo. Salut Notimob. Bienvenue. Bref, let's go. Attends, ne me tue pas, je t'en supplie. J'ai un énorme respect pour toi, en plus d'être forte, tu as une peau magnifique. Il faut absolument que je demande la marque de ton shampoing. C'est ça qui flippe tous. Parce que c'est vrai que Quan Chi, c'est un peu... Laisse tomber. Ah, ça me fume par contre, ça. Eh, en vrai, ça, c'est trop stylé. Genre, tu sais, Katana Man, ça fait... Son attaque signature, c'est vraiment le fait qu'il disparaisse d'un coup et que juste après, il se retrouve derrière la personne et que la personne est découpée, tu vois. Et genre là, c'est l'inverse. Il se retrouve bien derrière, sauf que bah, il n'y a plus sa tête. Bon, bref. Scalpel lame. J'adore comme elle les massacre. Quan Chi, c'est abusé. Ça me fait mis la tête de Denji pour se protéger. T'attends quoi? Une vieille connaissance m'a dit que lui, il fallait à tout prix éviter de se le mettre à dos. Mais pourquoi? Pourquoi il faut toujours que les démons se refusent d'obéir aux ordres? La sécurité publique conserve les cadavres de tes amantes. Tu préfères qu'on les jette aux égouts plutôt que de te les rendre. Ok, ouais, il y a quand même Kishibe derrière. Franchement, laisse-moi te dire un truc. Vous autres, les femmes, vous... Ah, Ah, je suis mort. Le mec, il allait commencer une réplique sexiste et il se fait tuer par sa femme. C'est vraiment la famille de famille de se protéger avec la tête de Denji, c'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. Mais ouais, du coup, là, il est en train de se faire buter par sa femme, du coup. Bon. Notre bon petit samouraï avait tranché la porte, on dirait. Il est pas con. C'est pathétique. Ça m'arrange, je prétendrais avoir perdu face à vous. Tuez-moi. Quoi? C'est une blague? Je ne mourrai pas, je suis semblable de Chainsaw Man. Oui, ils sont là. Ah, t'inquiète, on vous croit. Bon, je vais t'exécuter, mais avant, réponds. Chainsaw Man, il est plus fort que toi? Non. En revanche, il est bien plus terrifiant. Ça me fume la fin pathétique qu'il a. Hop, fini. C'était rapide, hein, encore une fois. Mais là, il y avait 17 pages. C'est mieux que d'habitude, hein. Et attends. Chapitre... Pause. Petite pause. Pause une semaine pour Fujimoto. Pause méritée après l'enchaînement de chapitres qu'il nous a fait. Elle parle de quel Chainsaw Man? Bah du meilleur. Je pense qu'elle parle du vrai Chainsaw Man. Ou quoique, peut-être qu'elle fait pas la différence avec Denji, je sais pas. Ouais, si, je pense qu'elle parle de Denji parce que sa manière de battre est tellement conne que...
Puis le fait qu'il se relève tout le temps. Sympa le retour du meilleur perso. Mais de toute façon, Quan Chi est incroyable. Excuse-moi, Nolimob. Bref. Ouais, banger le chapitre, hein, comme d'hab. Je sais pas vers quoi ça va nous mener, ça. Honnêtement, c'est sûr que c'est... une histoire de chantage avec ses femmes. Bah oui, en vrai, on s'en doutait un peu. Enfin, on s'en doutait. En fait, c'était soit ça, soit il y avait Kishibe derrière, mais ça me paraissait bizarre que Kishibe il soit comme ça. Mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il fout Yoshida dans le lot, quoi. Mec, Yoshida, ça me matrique, j'espère que c'est pas juste un perso random qui suit la meute, tu vois. Donc, alors, Yoshida, il avait... En plus, il était vraiment présenté comme un mec super malin dans la saison 1. Genre, qui comprenait ce que faisait Makima et tout. Ça se voit, c'est pas un mec du style à obéir tranquillement, tu vois. Donc, je me demande ce qu'il a en tête, pourquoi il suit le gouvernement et tout. Kishibe toujours porté disparu. Ouais, c'est vrai. Le moment des Rusawa, tout ça, ben, ouais, bonne question. Aucune idée, hein. De toute façon, c'est toujours. Je redis les mêmes choses à chaque live, j'ai l'impression, hein, mais. On est vraiment dans le flou, là. Genre. En fait, j'aime bien comment Fujimoto construit une mythologie autour de Chainsaw Man avec le build-up du démon flingue qui se fait maîtriser par Makima qui elle-même se fait rouler dessus par Chainsaw Man à son prime. Mais clairement, le prime de Chainsaw Man, c'est vraiment tout de malade. Après, avec les persos de Fujimoto, on sait jamais. Yoshida démon mort. Non, bah non, Yoshida, c'est pas une femme. Le démon mort, c'est sûr que ça va être une femme. Démon mort, j'espère que ça va faire une ref à la mort de Sandman. Le personnage de la mort dans Sandman. Qui était aussi une femme d'ailleurs. Bref. En vrai, non, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais faire une courte rediff. Mais bon, voilà, comme ça au moins ça sera vite, vite consommé. Aucun rapport avec Chainsaw Man, mais tu penses faire le DLC de Elden Ring en live? Ouais, ouais, je pense. Ouais. En vrai, si, enfin, ça va dépendre du temps que j'ai, mais je pense que je vais le faire. Parce que c'est trop cool. C'est trop cool. Ah! Merci Florent pour l'abonnement. Pour le Prime. Bravo Lilian de Quakican. Ah, merci, merci. Pourquoi tu penses que ça va être une ref à Sandman? Non, je sais pas, j'ai pas dit que je pense, j'ai dit que j'espère. Parce que bah, juste Sandman, c'est trop cool. Tu vois. Mais j'ai aucune idée de si Sue l'a lu ou pas. Hein. Parce que il a jamais entendu parler de ça. Enfin, ça serait bizarre qu'il en ait jamais entendu parler, quand même. Donc, Mais voilà. Non, c'est juste que je trouve que le personnage de la mort dans Sandman, il est tellement bien. Ah oui, non mais oui, Fujimoto, pardon. Non mais, faut pas prendre en compte, je suis un peu fatigué là, c'est... Je sais, j'ai compris. Non mais, vous voyez, c'est là... En fait, je travaille tellement en ce moment que... Non mais c'est la plage, j'ai eu un coup de chaud en fait. C'est les 28 degrés de Montpellier, ça pique. Et après quand je suis allé courir, en plus j'ai eu chaud, voilà. Non, par contre, c'est vrai que j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais... quand je suis allé courir après la plage, j'étais vraiment dans le mal parce que j'ai pas mangé. Enfin, j'ai pas mangé entre temps. Et j'ai pas pris à boire, j'étais... en hypoglycémie, en déshydratation. Bref, et j'avais chaud. Horrible.
Donc ouais, j'étais un peu mort. Après le repas, ça m'a un petit peu boosté un coup parce que voilà, j'ai récupéré un peu de sucre. Mais waouh, un peu fatigué. Je rêve du jour où Lilian ne sera pas fatigué pour lire. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis à moitié mort quand j'arrive sur Tower of God. J'ai envie de dire mes 35 balles le volume. Ouais, bah ouais, le Sandman, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais en vrai, enfin ouais, je fais... bref. Moi, je suis content de l'avoir acheté, quoi. Mais après, si tu veux, ça se lit assez lentement. Genre, un tome de 400 pages de Sandman, c'est l'équivalent de 5 tomes de 400 pages de manga, tu vois. J'ai l'impression que ouais, 30 pages de Sandman, ça vaut un tome de 200 pages de manga, en fait. Donc, en vrai, ça va, je trouve. En termes de ratio temps... Puis c'est une qualité de fou aussi. Hein. Que ce soit l'histoire, même le bouquin en soi. Mais bon, ouais. Moi, en fait, pour que ça me fasse pas trop cher, j'en achetais un tous les 3 mois, en fait. J'en achetais un tous les 3 mois, je le lisais petit à petit. Et de temps en temps, je rachetais le prochain. Que je finisse son main, il y a l'intégrale quelque part dans un disque dur. Oui, après, il y a toujours cette méthode aussi. Demain, il fait 29 degrés, putain. Tu lis d'autres comics, genre Batman et tout? Non, non, je lis quasiment rien en comics, en fait. Mais en fait, je sais juste pas quoi lire, faudra que j'en lise un de ces quatre. J'ai jamais lu Sandman, mais ça m'intrigue. Ah, c'est vraiment, vraiment génial. Neil Gaiman, non, j'ai rien lu d'autre. Parce que je sais qu'il a fait des romans et tout, qui sont pas mal, mais... Il y avait une fille de ma promo l'année dernière qui m'avait parlé de Neil Gaiman. Donc ouais, elle lisait des romans de lui, qu'elle aimait beaucoup. Faudrait que je lise un de ces quatre. Il a l'air basé de fou. Mais, et puis la manière dont il a écrit Sandman, c'était incroyable. Lis Scott Pilgrim, tu seras pas déconcerné. Déconcerté. Déconcerné ? Déconcerté, tu veux dire. Killing Joke, oui, j'ai lu. Classique en même temps. Mais c'est un des seuls comics que j'ai lu. Hein. Bref, je pense qu'on va arrêter là la partie divagation. On va commencer Tower of God parce que je vais être à moitié mort sinon. Voilà. Désolé YouTube encore parce que chaque fois j'ai l'impression que je meuble un peu sur la fin pour essayer de raconter des trucs quand même. Mais de toute façon, c'est une suite de chapitres, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la bagarre, la bonne bagarre. Voilà. Bah, à dans 2 semaines, du coup, pour Chainsaw Man. La semaine prochaine, on lira Tower of God seulement. Donc voilà. Vu que j'ai pas lu Tower of God, je vous laisse. Bye. Bah, à plus. Et ouais, du coup, au revoir à tous ceux qui connaissent pas Tower of God, qui lisent pas. Bonsoir à tout le monde, et puis passez une bonne soirée, tout ça, tout ça. Bref. Allez, salut!